Mes chers amis, bonjour. La période de Noël arrive et avec TV Wallonie, nous commençons maintenant notre tournée des marchés de Noël. Alors, vous voyez, je suis en excellente compagnie aujourd'hui, je n'ai pas envie de bouger. Nous sommes ici sur le marché alsacien de Thimistère et je vous invite à me suivre à la rencontre de toutes ces personnes qui sont venues et d'Alsace et d'ailleurs. Bonjour José Boer, vous êtes l'initiateur du village alsacien ici à Thimistère. Dites-moi, racontez-moi un petit peu brièvement comment vous est venue l'idée de créer cet événement. Ben disons, ça fait déjà une vingtaine d'années que moi je vais faire les marchés de Noël en Alsace. Et à force de rencontrer beaucoup de Belges en Alsace, je me suis dit un jour, tiens, pourquoi ne pas essayer d'amener les Alsaciens chez nous à Thimistère. Et il y a 7 ans d'ici, j'ai proposé l'idée au comité, parce que l'année d'après, en fait, c'est notre 150e anniversaire. J'ai proposé de faire un marché de Noël alsacien pour terminer l'année du 150e en beauté. Et la première année, ça a très bien été, on s'est retrouvé avec 35 chalets. On a eu du succès, on a eu de la foule, et alors les gens m'ont dit, José, tu ne peux pas la laisser tomber, tu dois le continuer. Et voilà, maintenant, on est à la 6e édition du marché de Noël, et de 35 chalets, on est passé à 59 chalets sur 6 ans. Vous êtes victime de votre succès, mais être victime comme ça, c'est bien agréable. Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'est agréable. Quand on voit les gens, quand on voit le public, on a des Luxembourgeois qui viennent, et on en a encore eu hier. On a des Allemands, on a des Français, on a des Hollandais qui viennent ici à Thimistère, qui découvrent notre joli village et qui découvrent, je vais dire, tout l'artisanat alsacien. Alors on est au milieu des bretzels, mais c'est pas pour ça qu'on est venu aujourd'hui, parce que j'ai entendu avec nos amis de Nostalgie qu'il y avait une spécialité que tu présentes ici aujourd'hui. Oui. Tu viens d'Alsace, je précise aussi. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que tu nous as préparé? C'est des frittises. C'est quoi? Les frittises, c'est une pâte à beignets. C'est une recette qu'on a créée, enfin que mon patron a créée, pour l'entente entre Thimistère et Villers. Et en fait, c'est une pâte à beignets qu'on frit dans la graisse de bœuf, avec agrémentée de 3 sauces. Une qui représente le ketchup qui est à la framboise, une qui représente la vanille, la mayonnaise qui est à la vanille, et une qui représente la moutarde qui est à la courgette à passion. Il y a la dame qui en a pris, vous pouvez voir. Avec... On va aller la voir après, oui. Et pourquoi les frittis, c'est quoi ça? Vient d'où ça? Ben les frittises, en fait, c'est pour rendre hommage à la Belgique par rapport aux frites. Donc c'est un gros cliché, ça, Sébastien. C'est pas un cliché. C'est voilà, le pays de la frite, c'est la Belgique. Donc c'est bon, là, les frites, c'est bon. Honnête. Pour marcher Noël en Italie, tu en feras les spaghettis. Exactement. Merci, mais on va aller voir ce que. Merci. Madame, merci. Vos frittises, qu'est-ce que ça donne? C'est un délice. Franchement, c'est délicieux. C'est moelleux, c'est aussi bon que les frites, en sucré. En sucré, oui. C'est surprenant. Oui, surprenant. Ma sauce préférée, c'est la moutarde au goût de passion. C'est délicieux. On a pas vous reviendrez. On reviendra. Ah, bien sûr. Voulez-vous goûter une frite? Allez, je vais en goûter une. Voilà. Merci. De rien. Et vive l'Alsace. Vive la Belgique. Alors, dites-nous que vous faites. And when the nights are peaceful and serene, we can cuddle up and do our Christmas dreaming. Bonjour Christelle. Alors vous représentez, vous m'avez dit, l'office de tourisme de la vallée de Villers. D'accord. Chez nous, on a l'eau de Villers aussi, mais c'est un alcool qui nous vient de la région de Charleroi, enfin de la région de Charleroi. Voilà, ça je ne l'oublierai plus. Alors dites-moi,
Il y a une histoire d'amitié et d'amour avec la Belgique? Tout à fait, c'est la 6e édition que le marché a lieu et 6 ans que nous sommes fidèles, l'Office de tourisme et les commerçants et artisans de la Vallée de Villers, à ce marché de Noël. Un pacte a en effet été conclu, un pacte d'amitié entre Simister Clermont et l'Office de tourisme il y a déjà 4 années. Ouais, ça c'est chouette. Mais je suis près de vous là, je suis très content parce que vous me rappelez le paquet de biscuits l'Alsacienne. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais quand j'étais petit, j'étais fou de ces biscuits à l'orange. Vous avez connu ça, vous? Non, pas du tout. Alors, je suis meilleur Alsacien que vous. D'ailleurs, est-ce que vous êtes une vraie Alsacienne? Tout à fait, une pure souche, comme on dit chez nous. Alors, vous pouvez me chanter une petite chanson de chez vous, là, ou me fredonner les premières paroles? Oui, pourquoi pas. De Hans im Schnuggler et alles Wasserwill, und Wasser et das Will, on est tout das Wasserwill, das Eternet. De Hans im Schnuggler et alles Wasserwill. Merci beaucoup, ça c'est une chanson qui me vient de mon enfance. Et là, vous m'avez baigné dans un bain de jouvence. Je vous remercie beaucoup, Christelle. Bienvenue en Belgique. Venez chaque année, là, pendant encore de nombreuses années. Nous, on va continuer notre petit bout de chemin comme ça. Et merci pour cette belle chanson. Merci à vous. Avec nos hôtesses, bonjour TV Wallonie, vous allez bien? Oui. On va faire la fête tout ce week-end à Timister. Profitez-en, venez tous nous rejoindre. On a les bras chargés de cadeaux avec vous TV Wallonie, avec Nostalgie. Ça va être un week-end de folie ici à Timister. Venez nous rejoindre. Voilà, c'est ici que se termine la première visite d'un marché de Noël cette saison-ci. Et celui de Timister. Vous voyez, je suis entouré de toutes les mères Noël. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On se quitte sur un petit air de musique. On vous dit à très bientôt. Mais si vous voulez venir à Timister aujourd'hui, c'est encore possible. Mais demain, 19, c'est le dernier jour. Allez, au revoir et à bientôt. Ce soir, mesdames et messieurs, avec Corinne à la batterie, ou membre de la Bleu.